Zombie Apocalypse. Et yo les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Hakim Gamer, au groupe KVNRP. Et avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter, partager et aussi d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Donc aujourd'hui, on va venir découvrir la nouvelle mise à jour de Noël qui est sortie sur Brookhaven RP. J'ai entendu dire qu'il y avait des nouveaux bateaux, donc ça, c'est vrai, c'est pas de la salade. Ça me plaît. Je cherchais le mot, je sais pas pourquoi, c'est pas si dur à chercher que ça. Mais il y a une nouvelle mise à jour de Noël, déjà, qui est déjà sortie, de 2023. Donc, on va regarder ça ensemble. Je vous jure, j'ai rien regardé. Donc, on découvre tout ça, tout en même temps. Hein. Donc, c'est good, hein, ça fait plaisir. Mais là, déjà, j'ai regardé s'il y a eu des nouveaux objets, non? Ok, bon, ok. Alors, on va aller découvrir ça ensemble. On va se prendre le petit déjeuner, car c'est un repas très important dans la journée. Bon, le petit déjeuner. Puisque j'ai pas grand chose, hein, je vais me prendre une petite gaufre. Et voilà. Comme ça. Une bonne petite gaufre au beurre. Miam, miam, miam. Ok, j'ai pas que ça à faire. Faut qu'on aille découvrir tout ça. Donc, comme d'habitude, dans les petits sapins familiales, là, dans ce qu'il y a dans toutes les maisons de Brookhaven. Hein. Donc, on s'en va tout de suite à côté du lac Brookhaven. Donc, moi, je vous dis à tout de suite. Ok, je sais pas si c'est ici, ok, mais on va quand même essayer de voir si on peut spawn un de leurs bateaux. Il y a aussi le Game Pass pour avoir plus de bateaux, plus pour faire un peu plus de RP. Mais moi, je vais pas tout de suite acheter le Game Pass, moi. Je vais l'attendre là. Oh, ok. Je pense que c'est pas ici qu'il faut le spawn. Bon, ok, alors on se retrouve dès que j'ai trouvé où est-ce qu'on peut spawn les bateaux. À tout de suite. Oh, regardez qu'est-ce qu'il y a là-bas, ça a l'air nouveau, ça. Ok, on va aller là-bas tout de suite, le plus rapidement possible, let's go. Oh my god, wow. Ok. Wow, papa. À moi. Ici. Oh wow, hoppa, ok. Oh my god, ok. Là, ça c'est chaud là. On peut même mettre ça et tout. Wow, j'adore, wesh. Oh my god, wow. Oh là, ils ont envoyé du lourd. Là. Ça c'est du lourd. Ça j'apprécie. Oh my god, ça. Ça, c'est un truc que j'aime bien. Franchement, là. Wow. Oh my god. Wow. Ça plaît bien. Wesh. Et il y a d'autres bateaux aussi qu'on va découvrir. On va mettre lui aussi. Oh! Wow, ok, wesh, c'est toujours la qualité, le graphisme et tout. Oh my god, bravo, hein, Wolfpack, pour ce que t'as fait, vraiment, si tu passes par ici, bravo. Même si ça m'étonnerait, je te dis quand même bravo. Hein. Non, le bateau de la police, le bateau des services d'urgence, wesh. Il y a celui-là, celui de la police, y a-t-il un autre? Oh my god, ok, on peut même. Ok, y a pas... par contre, on peut pas changer le graphisme pour. Oh ouais! Bah voilà! Oh là, ça j'adore! Oh my god, là, ça c'est du lourd, hein! Oh wesh, on va pouvoir faire des vrais RP là de. Des gens qui sont abandonnés dans l'eau, qu'il faut retrouver et tout en tant que policier! Oh my god, ok! Là, watch, wow, pop.
Là, les habits en tout, on s'entend. Wolfpack l'a envoyé toujours. Oh, wow, c'est trop beau la qualité là. Oh my god, non, mais là, je vous jure, là, je suis vraiment choquée là. Alors. Je n'en crois même pas là. Je suis vraiment genre choquée de ouf là, complètement. Non, mais il y a même une île là-bas et tout. Une île qu'on doit absolument découvrir ensemble. Ah, je vous reprends dès que j'y suis. Ok, on y est. Il va bientôt faire nuit en plus là. Bon, ça a l'air d'une petite île normale. Là, il n'y a rien de très intéressant. Rien de très grave. Mais j'ai une idée pour attirer l'attention de tout le monde vers cette île. On va y mettre des feux d'artifice qui vont attirer pas mal tout le monde. Car moi j'aime bien ça pour attirer l'attention et quoi de mieux pour attirer l'attention que de mettre des feux d'artifice sur une île, hein. Mais voilà, là, on peut attirer tout le monde. Non, mais wesh, j'adore là, vraiment. Ok, maintenant on va aller voir le traîneau de Noël, les amis. On va voler un peu autour de la ville pour finir cette vidéo. Donc, je vous retrouve à tout de suite. Ok, les amis, donc là, on est à côté du traîneau de Noël. On va voler. Tout de suite avec, hein. Je vais me dépêcher pour pas que les gens décident de venir rentrer parce que j'ai le passe pour pouvoir voler avec ça. Ne vous inquiétez pas, je sais comment conduire ça. Le Père Noël s'en va dans les maisons. On va bientôt faire la grande tournée pour entrer dans les maisons par infraction. Ouais. Ouais, let's go. Ouais. Rudolf qui est en avant. Déjà, il a l'air très heureux. On s'entend, il a l'air vraiment heureux. On va aller voler le petit lac là, les amis. Donc, je retrouve à tout de suite au-dessus du lac qui vient juste d'être ajouté au-dessus de l'océan en fait. Oh là, d'ici la vue elle est extraordinaire. On voit juste du bleu. La petite île abandonnée au milieu là. Oh là, par contre là je me rapproche de l'eau, donc on va se mettre au-dessus. Ok les amis, ça va être la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager et aussi d'activer la petite cloche de notification pour ne pas rater aucune de mes vidéos. C'était sur ce, c'était Arim Gamer et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!